Bon, je crois qu'on peut parler de qualification réussie. On s'est donné les meilleures chances pour la course. Il y a quelque chose de spécial dans l'air de Bahreïn ce soir, et je ne parle pas du sable. Sous les projecteurs du circuit de Sakhir brille le résultat d'années de recherche, et nous allons assister à un Grand Prix qui s'est toujours révélé passionnant lors de ces dernières éditions. Le magnifique circuit international de Bahreïn propose aux pilotes 5,4 km de distance. Il faudra particulièrement suivre les pilotes dans la délicate zone de freinage du virage 10. Nous avons une fois encore l'honneur de compter sur Nicolas Martin pour cette course. Bon, parlons un peu du rookie. Ils sont encore relativement nouveaux dans un sport où l'apprentissage s'inscrit dans la durée et où les erreurs se pètent au prix fort. Vous pointez une situation récurrente qui a mis un terme à la carrière de plusieurs jeunes pilotes qui ont fait des progrès trop rapidement. Mais dans ce cas, je dirais qu'ils se débrouillent plutôt bien. Et l'écurie a bien fait d'embaucher ces pilotes. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Le rookie part en pole position et Lewis Hamilton complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Vettel, Butler, Valtteri Bottas et Albon, Weber, Norris, Grosjean et Carlos Sainz, Raikkonen, Ricciardo, Sergio Perez et Giovinazzi, Stroll, Gasly, Daniel Kvyat et Nico Hülkenberg. Kubica et George Russell, dernier sur la grille. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage.
Red Bull a tout donné aujourd'hui. Superbe victoire. Nicolas Martin, qu'est-ce qui, à votre avis, leur a permis de faire la différence aujourd'hui? À mon avis, la gestion des pneus a grandement contribué à la victoire. Comme toujours, la vitesse ne fait pas tout. L'important est de conserver un rythme constant tout au long des différentes phases de la course. Il faut pouvoir boucler des tours propres sans forcer sur la conduite ni sur les pneus. C'est là-dessus que la course a été gagnée aujourd'hui. Red Bull s'est battu avec acharnement pour s'imposer aujourd'hui et nous sommes contents de voir que leurs efforts sont enfin récompensés. Il faut dire que l'équipe autrichienne apporte beaucoup à ce sport et on ne peut s'empêcher de partager leur joie. Voyons comment ce résultat a affecté le classement des pilotes. Le rookie renforce sa place de leader au championnat. Après cette incroyable course, qui est pour vous le pilote du jour, Nicolas Martin? On ne peut rien reprocher à Sergio Pérez aujourd'hui. Il a fait preuve d'un pilotage sans faille. Le choix était facile pour moi. Le moment est venu de voir ce qui se passe au classement des constructeurs. Red Bull prend le large au classement. L'écurie Ferrari est quant à elle parvenue à remonter au classement. Ils ont réalisé une belle performance ce week-end et maintenant, ils visent le sommet. C'est un week-end de Formule 1 complètement fou auquel nous venons d'assister. J'ai vraiment hâte de voir la suite.